l'avis en date du 7 décembre 2022 du Conseil supérieur de la magistrature décrète. Article 1er. Les magistrats dont les prénoms et noms suivants sont admis à faire valoir leur droit à la retraite à compter du 31 décembre 2022. Ce sont 1. Monsieur CCTA, matricule 58-10-53K, conseiller à la Cour suprême. 2. Madame Aissatou Pourico Diallo, matricule 57-87-63E, conseillère à la Cour suprême. 3. Monsieur Aboubakar Silla, matricule 57-89-33C, conseiller à la Cour suprême. 4. Monsieur Ibrahima Kabele Bangoura, matricule 57-86-64D, conseiller à la Cour suprême. 5. Monsieur Mamadou Malado Diallo, matricule 57-87-84U, conseiller à la Cour suprême. 6. Monsieur Amadou Silla, matricule 57-34-91L, ex-secrétaire exécutif du Conseil supérieur de la magistrature. 7. Madame Paulette Kourouma, matricule 57-13-70K, présidente de chambre à la Cour suprême. 8. Madame Joséphine Lamou, matricule 51-19-15K, conseillère à la Cour suprême. 9. Madame Kadiatou Traoré, matricule 57-89-55X, présidente de chambre à la Cour suprême. 10. Monsieur Baïla Diallo, matricule 57-87-70M, conseiller à la Cour suprême. 11. Monsieur Suleymane Ba, matricule 57-86-52H, président de la Chambre des appels de la CRIEF. 12. Monsieur Lansana Kadiali Touré, matricule 57-89-49Y, magistrat en service à l'inspection générale du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. 13. Monsieur Fodé Moussa Camara, matricule 51-42-49T, magistrat à la Cour suprême. 14. Monsieur Kaman Gilavogui, matricule 57-88-18C, magistrat à la Cour d'appel de Conakry. 15. Monsieur Fanimba Kondé, matricule 57-87-39V, président du TPI de Cancan. 16. Monsieur Mohamed Lamine Diawara, matricule 57-87-99K, conseiller à la Cour d'appel de Conakry. 17. Monsieur Mamadou Traoré, matricule 57-89-56C, conseiller à la Cour d'appel de Cancan. 18. Monsieur Mamadi Keïta, matricule 58-48-59T, conseiller à la Cour suprême. 19. Monsieur Étienne Kamano, matricule 57-88-31V, conseiller à la Cour d'appel de Conakry. 20. Monsieur Mamadou Siré Doumbouya, matricule 58-25-10U, de Kerfala Camara, matricule 58-25-15Z, secrétaire général de la Cour des comptes. 22. Monsieur Mamadi Mara, matricule 58-25-18J, conseiller maître à la Cour des comptes. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel. Conakry, le 28 décembre 2022, signé colonel Mamadi Doumbouya.